Oui, bonjour, Memona Durand, comment tu vas? Macep de Paris. Salut, 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 salut. Yanis. Salam, salam. Jackie. Moi, j'attends que les gens se connectent et partager la connexion et je ne vois pas Basile de Londres. Je le vois pas beaucoup, je ne le vois pas là. Jacques, tu as raison. Pacte, c'est comment? Bien, merci beaucoup, merci. Alice Chamba, salut, comment tu vas? C'est de partager, bien sûr. Partagez, partagez. Je vais juste. Sanchez, comment tu vas? Tu as parfaitement raison, Jackie. J'attends que les gens se connectent. Je suis avec vous, j'attends que vous connectiez. Et puis, je vais pas très long aujourd'hui parce que j'ai mal. Oui, comment tu vas, Mushinda? Donc, comment tu vas? Ok, c'est bien. Donc, Mbia, c'est bien. Je vais pas te bloquer hein, parce que je te vois souvent. Je vais pas te bloquer. Ben, on peut toujours continuer de rêver. Ben, on n'a pas les problèmes. Je ne réponds pas à ces. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ces personnes et qui ne sont pas importantes. Donc, qui sont payées pour amuser la galerie. Moi, je te rappelle encore une fois de plus, monsieur, qu'une fois que je ne vais pas te bloquer, deuxièmement, je suis à l'abri des besoins.
j'ai pas besoin de Cameroun pour vivre. Ok? Toi, tu as besoin de Cameroun pour vivre, mais moi, je n'ai pas besoin de Cameroun pour vivre. Tous les 4 ans aux États-Unis ou en France, il y a des élections présidentielles. Et on ne gère pas vos histoires du Cameroun. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? Pourquoi on nous fait croire qu'il y a la démocratie au Cameroun? Et pourtant, c'est la question qu'on se pose tous les jours. Alors, mais, oh Ibrahim, comment tu vas? Ibrahim, comment tu vas? Oui, monsieur Kenfak, on va continuer à gréver. Il n'y a pas de souci. Mais le changement va venir un jour. Hein. Voilà l'avocat Chakunte qu'on a tué. Monsieur Kenfak, Donfak, whatever his name is, pense que en tuant les avocats comme ça, ça va changer grand chose. Duf, Canada, comment tu vas? Jamangili, motion, ok, merci. Antoinette. Bon, j'attends toujours que les gens se connectent pour que je lance direct. Je n'ai pas très long aujourd'hui parce que j'ai juste une question que je me pose sur le comportement des Paulin Dansa, comment tu vas? Valère Capo. Waouh. C'est bien. Dégage. Envoyez le cœur, hein, envoyez le cœur, envoyez le cœur et partagez. Antoinette, comment tu vas? Mani. Bon, comment tu vas? Bon, attends. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, Bernadette, comment tu vas? Il n'y a pas de souci, Bernadette. Serge, comment tu vas? Ouais, mon petit, comment? Bon, je vais commencer là, parce que je ne vais pas très long aujourd'hui. Voilà, je vais commencer. Voilà. Bonjour. C'est le matin ici. Bon, hein. En fait, je voulais tout simplement essayer de clarifier certaines choses qui m'échappent. Moi, ça fait plus de 15 ans, j'irais même 20 ans, que je parle, je dénonce des choses au Cameroun. Donc, je ne suis pas celui qui est venu sur la toile il y a peut-être un an ou un mois ou il y a quelques temps. Et je ne suis pas celui qui vient sur la toile parce qu'on me paye pour faire des choses comme ça. J'ai toujours dit que je suis à l'abri des besoins et je n'ai pas besoin, je ne veux pas être ministre au Cameroun, comme contrairement à ceux qui n'est pas se prostituent pour des prunes au Cameroun. Si on demande des changements, c'est parce que moi, vous croyez que moi prince, bah même que je suis, je vais rentrer au Cameroun, chercher à être ministre ou bien chercher à être machin et tout ça. Là. Moi, bien regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Ceux qui pensent que on ne doit pas dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun, il se trompe. De toute façon, comme j'ai toujours dit, le Cameroun appartient à tous les Camerounais et ça n'appartient pas à une région du Cameroun. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi les Camerounais sont bizarres. Parce que depuis, les Camerounais nous donnent l'impression que nous, la diaspora, on perd notre temps. Notre temps pour, n'est-ce pas, parler à leur nom. Nous, on a la vie des besoins, on n'a pas besoin d'eux. Moi, ça fait plus de 25 ans que je vis, 30 ans que je vis au Pays des Blancs. J'entends rien du Cameroun. Au contraire, je paie des impôts au Cameroun. Je n'ai pas besoin de générer des biens que j'ai au Cameroun. Mais tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas la guerre au Cameroun. Moi, j'ai des enfants.
les enfants sont appelés à grandir et mes petits-petits-petits-enfants sont appelés à grandir au Cameroun. Si jamais le Cameroun fait un changement au Cameroun. Je ne veux pas tout rester là, voir des gens qui, n'est-ce pas, essayent d'amuser la galerie en disant qu'on peut toujours rêver. C'est bien beau, on va toujours rêver. Vous savez, moi, je ne vote pas au Cameroun. Donc, je n'ai même pas la carte de je ne peux pas voter au Cameroun. Ça fait quoi 25 ans, je n'ai pas voté au Cameroun. Moi, ça ne m'intéresse pas. Lors de mes plusieurs conférences, parce que tout le monde connaît le Cameroun, tous ceux qui ont eu le privilège, n'est-ce pas, de me rencontrer, et je dis, les médias camerounais, tous les médias, la majorité des médias camerounais me connaissent, donc j'ai toujours dénoncé ces dérives au Cameroun. Parce que moi, je crois qu'en payant les impôts, je crois quand même, on doit quand même donner quand même les explications pourquoi on n'a pas des routes, pourquoi on n'a pas des hôpitaux, des écoles et bien d'autres. La liste est très longue. Moi, beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, viennent ici défendre le régime en place pensent qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont là pleins, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie ou ailleurs. Ils n'ont même pas besoin de Cameroun pour vivre. Ils ont de quoi vivre. Mais c'est souci de ce qu'on voit depuis 39 ans au Cameroun. Et c'est pour ça que moi je dis que les Camerounais sont bizarres. Et comme je dis tout le temps, you guys, you are chaos. In Cameroun, you are chaos. Je ne peux pas comprendre comment on souffre, on n'a pas de quoi vivre, on n'a pas de quoi manger, et puis on se soucie beaucoup plus de ce que fait tel ou tel. Mais on ne se soucie pas de ce que nous, on va faire pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Aujourd'hui, la majorité des Camerounais, maintenant, cherchent à sortir du Cameroun. Pourquoi ? Si le Cameroun était bien, pourquoi tous ceux qui sont, soit, je ne sais pas, à l'Occident, se soucient beaucoup plus de sortir, aller vivre et puis essayer de soutenir le régime ? Moi, je dis ceci. Si vous aimez tellement ce régime-là, mais rentrez au Cameroun, restez là-bas. Ne venez pas, n'allez pas en Europe ou bien au Gabon, je ne sais pas, ou aux États-Unis et ailleurs, et pour nous dire que vous aimez tellement le présent premier. Beaucoup même d'entre vous même n'ont jamais eu le privilège de raconter le présent premier. Moi, j'ai eu ce privilège. Mais ce n'est pas que j'ai un problème particulier avec le présent premier. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec lui. Mais j'ai un problème. La personne de Paul Biya, je n'ai pas un problème avec lui. Mais la personne du président, oui, j'ai un problème avec lui. Parce que on a l'impression qu'il se comporte comme le roi soleil. C'est qu'il ne se soucie pas des problèmes des Camerounais. C'est ça qui nous interpelle. Oh voilà, j'ai vu Basile. Comment tu vas, Basile? Basile de Londres. Salut, combattant. Mais voilà, donc, si je... Vous savez, d'habitude, j'annonce, mais je suis tellement en colère contre la majorité des Camerounais au Cameroun que parfois, on se pose la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à se soucier des gens qui vivent dans des conditions misérables, la galère au quotidien. Je me pose la question tous les jours. C'est la question que je me pose. Alors, est-ce que... Moi, j'ai toujours dit, hein, je dis à tous ceux qui veulent m'écouter que ça fait quoi, plus de 15 ans que je dénonce tout ce qui se passe dans le pays. Et il y a bien d'autres personnes qui sont venues. Parce que bon, c'est vrai que j'ai dit et je pèse mes mots. Tous ceux qui viennent sur la toile pour soutenir le RDPC ou le régime en place sont payés. Ça, personne ne peut me démentir dessus. Puisque moi, la plupart de ces personnes sont des amis que je connais. Ils sont payés, ils ont un salaire, on le paye pour venir insulter ceux qui, n'est-ce pas, se prononcent pour le changement. Je vous dis, pour ne pas vous surprendre, mon père, le sultan roi de Mamoun, a fait un discours lors de je sais pas, moi j'appelle ça, j'appelle ça conférence organisée par le EDPC. J'ai reçu tellement d'insultes quand il a fait ce discours. On m'a envoyé tellement des insultes, je n'ai jamais réagi. Même les gens de l'EDPC ont demandé au sultan roi de Bama, qui est mon père, de rendre sa carte de membre du parti. Qui n'avait jamais rien fait pour le Cameroun. Et il va marcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? On a dit n'importe quoi. Donc, vous voyez, ceux qui vivent au quotidien
derrière le dos. C'est-à-dire que prends l'argent des contribuables camerounais. Vive avec ça, là. Trouve que s'il y a changement demain, ils vont galérer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de vous embassir, de vous intimider, et donner l'impression qu'ils ont le monopole de la vérité. Moi, avant les élections, moi j'allais au Cameroun, moi, trois fois par an. Mais depuis, c'est pas que j'ai un problème, mais je vois les gens, comment ils galèrent, la misère au quotidien. Et ces personnes refusent d'accepter qu'ils ont des problèmes. Moi, j'avais dit il y a, tu crois, 10 ans, que lors d'une interview que j'avais accordée à un journal Le Messager, que je n'étais pas intéressé à la politique camerounaise parce qu'il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. Je maintiens encore ça, ce que j'avais dit il y a 10 ans dans Le Messager, que j'avais pas encore la démocratie au Cameroun. Et quand, ce n'est que quand il y aura la démocratie au Cameroun, véritable démocratie au Cameroun, que je vais peut-être m'intéresser à la politique du Cameroun. Et pourquoi je me suis intéressé, pourquoi je m'intéresse maintenant aujourd'hui un peu à la politique camerounaise, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui est venu et qui a donné l'impression qu'il n'était pas comme les autres. Et bien, je crois que de temps en temps, il faut quand même faire crédit. Bon, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas faim. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'un homme qui fait la politique au Cameroun et qui n'a pas de quoi survivre au quotidien, moi je ne peux pas voter pour ces gens, je ne peux même pas soutenir ces gens de personnes. Je vais prendre le cas de Kaba Libi qui, n'est-ce pas, a fait croire. Il avait donné l'impression qu'il avait le secret pour, n'est-ce pas, changer les choses au Cameroun. Et on s'est rendu compte par après que le parti qu'il a aujourd'hui, c'est un parti créé par le UDPC et qu'il est un allié. Les EDPC. Donc tout le monde connaît. Donc quand je vois un libraire comme John Fondi, et qui quand même s'est battu, on peut quand même le reconnaître ça, et que du jour au lendemain, il devient l'allié des EDPC. Vous croyez que moi je vais m'intéresser à la politique? Pourquoi? Je peux m'intéresser à la politique. Et je ne peux jamais, encore une fois de plus, m'adhérer à un parti d'État. Parce que sur le EDPC, c'est un parti d'État. J'ai rien contre des gens, j'ai dans ma famille, les gens de ce parti. Mais bon, c'est un choix qu'on fait. Alors si on trouve son compte, tant mieux. Mais je vais dire ici, et je dis encore, je pèse mes mots, et je lance un message à tous ceux qui souvent m'envoient des messages, qui sont des gens de ma famille, que, eh bien, prochainement, désormais, si vous avez un problème, allez à l'hôpital, mariage, machin et tout, allez demander au EDPC. Moi, je vous assure que là, maintenant, là, ça ne m'intéresse plus. Je ne vais plus m'intéresser à ce faux problème. On adhère à un parti qui ne fait rien pour vous et vous continuez à je sais pas, parfois on dit qu'on soutient le parti parce qu'il y a tel, j'ai un oncle qui est sur le parti. Eh bien, lui, il bouffe l'argent. Et toi, tu gagnes quoi dans cette histoire quand tu as un problème? Donc, s'il y a des personnes qui attendent toujours que vous venez, quand vous avez un problème de 10 000 francs ou de 20 000 francs, ils vous donnent, ils vous tiennent. Parce qu'ils savent que eh bien, vous parlez ailleurs. Moi, j'ai pas faim. C'est ça la différence entre vous et moi. Et je vais vous surprendre que je ne veux pas demain, comme je te vous dis, hein, je ne suis pas quelqu'un qui, je ne m'intéresse pas, je me suis jamais intéressé à la politique camerounaise, mais je me suis intéressé à la politique camerounaise depuis pratiquement 2 ans seulement. Avant, je m'intéressais beaucoup plus à tous ceux qui ont eu le plaisir de me connaître et surtout mes conférences que j'ai faites depuis pratiquement 20 ans, savent que même les interviews que je donne dans les médias au Cameroun, savent que je me suis toujours intéressé de l'ouest du Cameroun, plus particulièrement le Noun. Donc je me suis intéressé à la politique camerounaise depuis pratiquement 2 ans, ça fait seulement 2 ans que je me suis intéressé à la politique camerounaise, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas, non seulement faim, et il n'avait pas besoin de se prostituer, et qui avait démissionné du gouvernement, et qui m'a donné l'impression qu'on pouvait changer, on peut faire la politique autrement. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à sa politique, à son programme politique. Et comme moi, j'ai toujours dit, vous savez très bien tout ce que j'ai enduré depuis que je me suis intéressé à ce parti, machin et tout, mais bien que... Mais moi, j'assume. Je n'ai pas de problème particulier avec Paul-Pierre Jean, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui,
tous les Camerounais, Camerounais au Cameroun, si vous pouvez rien faire pour vous-même, vraiment ne comptez plus trop sur nous. Parce qu'on en a marre. J'ai vu quelqu'un, un certain individu qui, n'est-ce pas, s'est prostitué pour des prunes, pour les DPC, qui dit qu'on peut toujours rêver. Bien entendu, ceux qui peuvent rêver, moi je ne suis pas chez du travail, puis je ne sais pas ce que ce monsieur fait au Cameroun, qui, n'est-ce pas, de temps en temps, il va sur la trappe pour insulter et dit qu'il est de l'Ouest. Je veux bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais s'il s'en sort, parce que le gouvernement lui donne l'argent pour pouvoir vivre, il a peur que si demain il y a changement, il n'aura plus ses privilèges. Et c'est pour ça qu'il vient de la toile pour essayer de d'améliorer la qualité. Je ne suis pas là pour améliorer la qualité. Tous ceux qui ont eu le prince. Je dis bien les médias camerounais. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas de médias au Cameroun qui ne connaît pas qui est le prince. Et j'ai fait mes preuves au Cameroun. Et je paye les impôts au Cameroun. J'ai mal. Je ne veux pas la guerre au Cameroun. C'est pour ça que j'ai interpellé le président pour dire s'il est vivant. Enfin, c'est le Cameroun dit. S'il est vivant, qu'il faut qu'il parle aux Camerounais. Ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup d'informations que je peux donner qui peuvent faire mal à beaucoup de gens au Cameroun. Mais je ne le fais pas. Par patriotisme, par amour que j'ai pour le Cameroun. Mais j'ai trop mal. Et j'ai dit tout le temps, on n'est pas obligé de m'aimer, mais on n'est pas aussi obligé d'accepter mon opinion politique. Mais j'adhère à un programme politique de quelqu'un qui se trouve être... Bon, il pouvait être du Nord, il pouvait être de l'Est, du Sud même. C'est parce que le hasard a voulu que ce responsable politique camerounais, qui est Maurice Kamto, se trouve, il est de l'Ouest. Et bon, ça c'est pas... ce n'est pas un crime. C'est pour ça que je dis que, mes chers frères et sœurs, la situation, si ça ne change pas, il y aura une guerre civile. Et je ne veux pas ça au Cameroun. Je supplie aujourd'hui, là, le gouvernement camerounais, de parler avec les Camerounais. Ce n'est pas aller intimider Maurice Kamto, embassier les membres de ce parti, qu'on va régler pour le Cameroun. On a connu ça au Zaïre, on a connu ça dans d'autres pays africains. J'avais dit que j'avais un dossier sur le Cameroun de la France. La France aujourd'hui, l'information que moi j'ai à ma position, soutient le peuple camerounais. Mais il soutient le peuple camerounais, la France ne peut pas aller agir à la place du peuple camerounais. Ça c'est l'information que moi j'ai de ses amis haut placés en France. Alors donc, si le Cameroun ne peut pas agir pour eux-mêmes, ce n'est pas nous, la diaspora. On va, comme a dit un individu tout à l'heure, qu'on peut toujours rêver. Oui, ça permet de vivre. L'Europe, ça... Bon, voilà, donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas pour l'habitude de donner dire des choses juste pour dire et amuser la galerie. Je sais pour combien de temps Maurice Kamto, bon, j'entends dire qu'il va être transféré au tribunal. Tant les autres me disent qu'ils vont, et on va le libérer. Les autres me disent qu'ils vont négocier. Bon, il y a beaucoup de choses, mais tant que, vous savez, le Cameroun, quand tu n'as pas encore la certitude, tu n'as pas quelque chose, n'est-ce pas, de concret. Tu peux pas, parce que le Cameroun, c'est pas, les gens n'ont pas de parole. Les gens au Cameroun, ils n'ont pas de personnalité. Même tous ceux que je connais, même haut placé, n'ont pas de personnalité. Pourquoi? Quand tu n'as pas ta parole, quand tu ne peux pas tenir ta parole, ça veut dire que tu es nul. Tu ne vaux rien. Je n'ai pas de respect pour toi. C'est pour ça qu'on se plaint quand on voit les frères et les sœurs souffrir dans des conditions qu'on connaît. Et que ceux qui, n'est-ce pas, ont de quoi vivre, ça me fait la peine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé que si les Camerounais, le Cameroun, ne prend pas leur responsabilité, je vais demander à toute la diaspora camerounaise d'arrêter de soutenir les familles en Afrique, au Cameroun. Je vais demander à toute la diaspora camerounaise de ne même plus envoyer un fonds de famille au Cameroun. Ils acceptent leur sort, ils assument. Parce que nous, on ne peut pas perdre notre temps à se faire, non seulement à se faire insulter pour des gens qui ne se soucient pas de leur propre vie. Donc, je préfère que ça soit clair comme ça aujourd'hui.
Alors donc, je voulais un petit coucou à Basile, là, mon ami de Londres. J'espère que tu vas bien. Et je vous aime. C'est quand même bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Et à très bientôt. Je vous adore. Je vous reviens dans les prochains jours. À très bientôt. Ici, c'est le Banque.